Eh bien, yo tout le monde, les mecs, c'est Astrix Tobirama. Aujourd'hui, amis, nous sommes sur une toute nouvelle vidéo sur Arc, les gars. Notre première vidéo sur Arc, les gars. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire, les petits potes? Aujourd'hui, comme prévu, nous allons directement, les gars, vous montrer pour ce petit tutoriel, dans cette petite vidéo, comment jouer avec vos potes en partie privée, en partie locale plutôt. Voilà. Alors, déjà, vous allez en partie locale héberger. Hop! Faites pas gaffe aux paramètres. Il y en a un, il est what the fuck. Alors là, vous prenez par exemple une map. Donc moi, je vais prendre celle-ci. Mais c'est juste pour le tuto. Je vais pas y jouer dedans. Donc vous allez mettre ça. Après, vous allez mettre héberger serveur non dédié. Ah, il faut un DLC, merde. Ok, bon, on va prendre Lost Island par exemple. On va mettre héberger le serveur non dédié. Donc là, du coup, vous allez mettre un mot de passe d'admin que vous pouvez décider vous-même, mais ça, je vous conseille pas de le garder, de le donner surtout à quelqu'un, parce que sinon après il devient admin et il, voilà, il peut faire n'importe quoi, tu vois. Tu mets match privé, vous mettez, pardon, hop, vous mettez le nom du serveur. Par exemple, on va l'appeler serveur, par exemple. On va l'appeler juste serveur. On va mettre accepter. Donc vous mettez bien match privé parce que sinon après n'importe qui pourra vous rejoindre. Ok. Et ça sera pas nickel. En gros, si vous voulez vraiment qu'il y a tout le monde qui vous rejoint, vous mettez public quoi. Mais si vous voulez que personne rejoigne, mais après c'est pas sûr les gars qu'il y a des mecs qui vont rejoindre. Hein. Mais c'est possible. C'est possible. Mais c'est très rare. La plupart des gens qui ont des maps comme ça. Donc là, par exemple, on va créer un nouveau survivant. On va le faire à l'arrache, bien sûr. Parce qu'on s'en fout un peu. Là, on crée notre petit survivant, pardon. Ça fait 10 fois que je répète le mot. Donc, normalement, les gars, votre jeu, si vous avez... normalement, il va crash. Si vous avez pas de chance, il crash. Mais dans tous les cas, je crois qu'il crash. Donc là, du coup, vous spawnez. Donc là, hop. Attendez, c'est quoi le truc qui brille? Attendez, juste voir le truc qui brille. Ouais, je sais pas. Ok. Ah, mais c'est des reflets. Donc voilà, les gars, je suis sur la map. Donc vous mettez du coup option. Hop, vous mettez option. Vous mettez inviter des amis. Et vous pouvez du coup inviter vos amis. Donc vous mettez invité, là j'invite qui je veux, et après là vous aurez leur pseudo ici. Donc si vous voulez du coup faire, je suppose, une série avec vos potes, comment faire pour créer une tribu? Donc déjà normalement dès que vous spawnez, vous avez la tribu qui est déjà créée, qui est juste ici. Vu que la tribu est déjà créée, c'est bon. Vous allez chercher par exemple votre pote, donc on va dire l'arbre là c'est un mec hein, que j'ai invité. Hop, vous y rendez. Vous laissez appuyer et normalement en haut les gars, il y aura marqué invité dans la tribu. Donc vous mettez le joystick droit dessus, tout en laissant appuyer et ça va normalement marcher. Ok? Et il aura juste besoin de faire comme vous, vous regardez, appuyez triangle et mettre accepter de rejoindre la tribu. Et c'est complètement carré. Donc voilà les gars, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. C'était le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager tout ça, vous connaissez déjà les bails. On va vite fait se fight avec lui. On est mort. Bref, du coup, on va directement quitter, mettant se déconnecter. Donc... J'espère que du coup cette petite vidéo vous aura plu. C'est qu'à n'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager, tout ça, vous connaissez déjà les bails. C'était Astrix, Tobirama, ciao tout le monde! Wow, wow.